Alors on va te faire un plus moins. Plus moins, c'est quoi? Quand t'as lu le scénario de l'ours, c'est quoi qui t'a le plus plu? Rencontrer l'ours. Qu'est-ce que t'as détesté? Ce qui t'a fait chier quand t'as lu le scénario? Pas du tout. Il n'y a rien qui t'a fait chier? Non. Jean-Jacques d'ailleurs m'avait dit avant que je le lise, il m'avait dit, tu sais, c'est les ours, les stars. Ouais, il avait choisi les ours avant toi. Oui, il avait choisi les ours avant moi, c'est vrai. Ouais. Mais en le lisant, j'étais vraiment fasciné et attiré par la gageure du film. Ouais. Et ce qui me plaisait aussi, c'est que le personnage, il a quand même, chaque fois que l'homme rencontre les ours, si tu veux, la dynamique entre l'homme et l'ours passe beaucoup à travers Tom, le personnage que je joue. Donc c'est quand même une chose qui m'attirait, tu vois. Et puis la perspective d'être à cheval, d'être dans la montagne, c'était... ça me plaisait beaucoup, quoi. Alors Jacques Hano, qu'est-ce que tu préfères chez lui? Sa vivacité. Ouais. Il est très pétillant. J'adorais la manière dont il jubilait sur le plateau, quoi. C'est-à-dire beaucoup de mes indications, je les ai prises dans le sourire, dans le plaisir qu'il avait à faire le film, tu vois. J'allais chercher mes indications là-bas. Et ce que tu as détesté chez lui, tu peux le dire maintenant. Ce que j'ai détesté? Ouais, chez Hano. Ah, ça c'est dur. C'est dur. C'est quelqu'un qu'on peut détester à l'infini ou qu'on peut aimer à l'infini, alors. Mais bien un truc que tu ne supportes pas chez lui. Bah, quelquefois, c'est sa courtoisie qui m'agace un peu. Ouais, parce que tu penses qu'elle est fabriquée? Je pense pas qu'elle soit fabriquée. C'est sûrement, évidemment, une façon d'être, mais je pense que c'est profondément ancré en lui. C'est une façon de se présenter. Donc, on peut l'aimer pour ça aussi. Mais quelquefois, on a l'impression que tout lui glisse dessus comme la peau d'un poisson. Est-ce que tu préfères chez les ours? Ce que je préfère chez les ours? Leur curiosité. Ils sont très curieux et très joueurs. Ouais. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez les ours? Il y a un truc que t'aimes pas chez les ours. Ah non, je comprends que tu veuilles pas en parler, mais les ours... Ça, vraiment, crois-moi, hein. Ouais. Je vois pas ce que je pourrais détester chez eux. Parce qu'en fait, j'ai eu des contacts avec eux, il faudrait que je vive peut-être beaucoup plus longtemps avec eux pour savoir ce que je déteste chez eux. Que les critiques pourraient dire de mieux sur ce film, c'est quoi? Je sais pas, c'est à voir. Je sais pas ce qu'ils pourraient dire de mieux. Ce qu'ils pourraient dire, c'est... J'ai rencontré quelqu'un là dans les couloirs de la radio tout à l'heure qui disait... Que si les gens sont pas émus par ce film, il y a plus rien à faire pour eux, quoi. Parce que elle est rentrée, elle n'était pas spécialement gagnée avant d'arriver, et puis tout d'un coup elle s'est assise dans la salle, elle se rappelait plus comment elle s'appelait, elle savait plus qui elle était, elle était embarquée dans un autre monde. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de plus méchant? Ce qu'il pourrait dire de plus méchant? Je sais pas. Je sais pas. T'es un bon garçon, Moi je suis un très bon garçon, ouais. Ça c'est un reproche que je pourrais me faire.